Laissez-moi dans ma chirurgie. Ma chirurgie. J'en ai plus rien à foutre. Ouais, les seringues, c'est la vie. Je suis dans ma chirurgie. Esthétique. Oh oui, ma chirurgie esthétique. Je vais me faire les peaux sucées. Me faire botoxer. Me mettre des injections. Oh oui, j'aime la chirurgie esthétique. Je suis dans ma chirurgie esthétique. Ouais, qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, je fais ce que je veux de ma vie. Ah oui, chirurgie. Hey, salut à tous les amis, c'est Melokiko. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo esthétique avec Mijirachi. Coucou. Hey, mes petits poulets, c'est Tata Melo. Salut à tous mes petits poulets, c'est Tata Melo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je voulais faire depuis un moment, mais que je n'osais pas faire parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre, tellement c'est un petit peu délicat. La question est, aujourd'hui, ai-je fait de la chirurgie esthétique? Je pense que je vais lancer une nouvelle série sur ma chaîne sur les questions que vous me posez. Commentaire, si tu as une question à me poser assez spéciale, assez glauque et assez con, n'hésite pas à me poser la question et j'y répondrai de ma façon en vidéo. Donc la question du jour, c'est ai-je fait de la chirurgie esthétique? C'est une question qu'on m'a déjà posé des millions de fois, franchement je vous mens pas. J'ai au moins cette question tous les 3 mois on va dire, hein. Oui, c'est déjà énorme pour moi. Oui, c'est très oui. Donc d'après les gens, j'aurais une tête à chirurgie esthétique, donc je ne sais pas si c'est vrai, donc à vous de me le dire en commentaire, parce que oui, je sais pas. Alors peut-être que je fais beaucoup de filtres, ce qui fait que ça change un peu mon visage. Peut-être que à force d'utiliser Boticam, le truc pour ressembler à mon gars, ça fait bizarre, je sais pas moi, mais là faut m'expliquer. Alors j'y réponds tout de suite, non, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique et non, je n'en ferai jamais. Je n'ai absolument pas une tête à chirurgie esthétique. Alors dites-vous dans vos têtes vraiment que Tata Melo a peur des aiguilles, a peur des piqûres, n'a jamais fait une piqûre dans sa vie, à part pour les machins quand t'es gosse là, mais t'as jamais fait une seule prise de sang. Donc dis-toi que Tata Melo ne serait pas capable de se faire liposucer. Je ne peux pas m'imaginer avec l'aiguille en train de te traverser la lèvre, en train de te faire injecter du botox. C'est horrible, gars. Comment vous pouvez m'imaginer, enfin je sais pas moi. Là faut m'expliquer. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai posé une question pour tout le monde sur Movistar Planet, sur mes deux comptes, donc IskitaX et Melo Kimiko. Et je leur ai demandé si j'avais vraiment, pour eux, fait de la chirurgie esthétique. Mais je pense que ça va être beaucoup de non. Parce que là, si franchement il y a un oui, bah je reviens, je vais me suicider au pire. Donc c'est parti. Et je fais de la chirurgie esthétique. Explication, ça tourne mal. Oh là là, je me sens con. Je me suis appelée Prout de Caniche. Oh la maturité. Là, je me connecte sur Movistar Planet, mon jeu préféré. Et oui, comme tout le monde le sait. Alors, de la part de la métalleuse Ava, non, tu n'as pas fait de chirurgie esthétique pour moi. Miss Shamano, pour moi, t'as pas fait de chirurgie esthétique. Je me désabonne, j'avais fait sans compte pour ta chaîne. Et toi, tu me réponds pas, je me désabonne. Coucou, désabonne-toi. D'abisous, hein, d'accord. Et désabonne-toi avec tous tes comptes, ça m'arrangerait. Coucou, je réponds à ton que fais-tu, ta question concerne dans la réalité. Non, tu n'as pas fait de la chirurgie esthétique. Et si la question concerne Movistar Planet, oui, tu as fait de la chirurgie esthétique, exactement. Oui, c'est vrai que sur Movistar Planet, j'ai un petit peu osé la chirurgie. Hashtag étoile 111. Moi, je pense, si ce n'est pas le cas, faudrait que je mette des lunettes. Eh bien, étoile, tu te trompes totalement. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique et j'en ne ferai jamais de chirurgie esthétique de ma vie. Oh, tiens, mourir dans ces cas-là. Sarah, non, t'en fais pas, t'es belle comme tu es. Merci beaucoup. Zaza, la swag de la chirurgie, nope. Alors, Panda Kawaii 938, je rigole, c'est pour que tu me répondes enfin et coucou YouTube. Alors là, c'est un. Là, c'est critique là. Là, c'est critique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la supprime. Alors, sache que ce genre de message, Panda Kawaii, pour me faire parler, c'est next. Laissez-moi dans ma chirurgie. Ma chirurgie. J'en ai plus rien à foutre. Ouais, les seringues, c'est la vie. Je suis dans ma chirurgie. Esthétique. Oh oui, ma chirurgie esthétique. Je vais me faire les peaux sucées. Me faire botoxer. Me mettre des injections. Oh oui, j'aime la chirurgie esthétique. Je suis dans ma chirurgie esthétique. Ouais, qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, je fais ce que je veux de ma vie. Ah oui, chirurgie. Musique, single, signé Melo Kimiko. Bonsoir. À présent, les enfants, nous allons aller sur les comptes IskitaX. Donc, j'avais posé exactement la même question. Donc, on a Norma Melo de Lara. Pour répondre à ta question, je ne pense pas que tu aies fait de la chirurgie esthétique. Ta beauté est naturelle, exactement. Non, tu es parfaite au naturel. Merci beaucoup. Pour... Ah non, James Pika. Non, je peux pas. Arrête. Tu fais partie des personnes qui me dépriment dans ma vie. Non, je crois pas que tu aies fait de la chirurgie. De la chirurgie esthétique, non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Et JTM, donc j'ai pas eu beaucoup de réponses sur ce compte. Ah, ah, c'est plus chargé, tiens. Et les champs sont plus actifs sur l'autre compte. Donc voilà, c'est un petit peu pour répondre aux questions des haters. Je ne sais pas si ça fait partie des haters qui pensent que j'ai fait de la chirurgie ou qui font ça exprès pour me faire chier. Sans parler de hashtag étoile qui m'a dit qu'elle savait pas trop si j'en avais fait ou pas. Donc vraiment, les personnes qui pensent ça, stop it.
Stop it, stop it. Et surtout, si vous pensez que j'ai fait de la chirurgie, n'hésitez pas à chanter la chanson que j'ai chantée avant. Voilà, c'est très important. Donc voilà, franchement je peux rien faire pour les personnes qui le pensent. Donc sur ce, j'étais contente de faire cette vidéo là. Ça fait longtemps, non ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai fait une vidéo en parlant. Mais bon, j'avais envie de refaire une vidéo en rapport avec Mousse Planète. Ça me fait plaisir, et en plus je peux répondre aux haters ou aux personnes normales, tu vois. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis ta bisous. Voilà, un petit plagiat à Mixem que voilà, bref. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, et aussi de votre opinion par rapport à moi, si j'ai vraiment une tête avoir fait de la chirurgie. Et aussi n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour pouvoir passer dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.